souviens un jour, mon médecin qui m'avait dit, tu sais, dis-toi toujours que quand tu cours, c'est parce que t'as la chance de le faire. Donc on voulait trouver une association qui a un rapport avec le sport. C'est évident qu'il faut le faire pour le handisport, justement, pour toutes les personnes qui ne peuvent pas faire ce qu'on fait. Notre but, c'était d'essayer de participer au financement de la Joëlette, qui coûte beaucoup d'argent. On a organisé une soirée de gala. On a fait des petites manifestations, on a tenu des buvettes, on a créé une compétition de crossfit. Début d'année, on s'est fait 7 semaines de préparation dédiées au raid. Donc là, c'était vraiment 3 séances de crossfit par semaine, plus une séance de course à pied et une séance de VTT. Et un fractionné par semaine. Un entraînement de canoë, un entraînement de tir à l'arc. On a décidé de partir quelques jours avant pour s'acclimater et surtout de rester quelques jours après histoire de récupérer. Nous voilà partis en fait le jour J quoi. Les valises sont prêtes, on fait pas de bruit à la maison, on veut pas réveiller tout le monde parce qu'on veut pas verser l'alarme, c'est trop dur. À l'aéroport, on a rencontré deux équipes, donc du coup on a un petit peu pu sympathiser. Les deux premiers jours, on n'a absolument rien fait. C'est-à-dire qu'on allait manger en ville, on revenait piscine, on repartait en ville, piscine, on buvait du jus de fruits. Quand on est arrivé à l'hôtel, une grosse arche en arrivant, Red Amazon, nous ont accueillis, enfin, c'était trop bien, la musique et tout. Plein de personnes avec des t-shirts. Donc là après on a eu quand même un petit cocktail de bienvenue. On nous donne les clés de la chambre, on nous donne quelques petites formalités, autre papier, et puis voilà, rencontre avec les premières Amazones. De suite, on a eu des atomes crochus avec certaines. Une équipe de 3, les Drôles de Dames, une équipe de 2, les Minskal Team, et une autre équipe de 2, les Astellas 67. Premier réveil, hyper excitée, super contente d'être là et en même temps, oh putain, pourquoi je suis là? On s'est réveillé un peu tendu. On va déjeuner et là rien ne passe. Et on est allé devant un grand hôtel de Siem Reap et là en fait on a eu des politiques qui sont venus nous faire un discours officiel. Il y a eu l'ambassadrice de France qui est venue. Oh, on n'arrête pas de sauter, on est tout à fond. Alexandre Deban nous dit quand même la sécurité, les points de sécurité très importants. Les filles, n'oubliez pas de boire, c'est très important parce qu'ils sont très à cheval sur ça. Il fait très chaud. On y est, les premiers pas, ça s'enchaîne. On est bien, on est dans notre rythme, on est impeccable, on est tranquille. Et là, à un moment donné, toutes les trois, on est assez étonnées parce qu'au bout de 3 km, on a des sensations particulières dans les jambes, comme une espèce de jambes lourdes ou de courbatures. Et en fait, on se rend très vite compte que l'acclimatation à la chaleur, c'est ça, en fait. Je m'hydrate, je me verse de l'eau, on se trempe toutes d'eau. Et là, on repart pour la fin du trail. Déjà, ça allait beaucoup mieux de s'être rafraîchi. Puis là, arrive à 7 km. Je me sens trop mal. Je dis aux filles, les filles, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, j'ai des gargouilles dans le ventre. Et puis d'un coup, paf, mes jambes me lâchent et je tombe. Là, il y a plein quand même d'Amazon qui passaient, donc qui s'arrêtaient, ça va, les filles. Quand même, il y avait de l'entraide. Je mange un petit peu. Et puis j'allais, c'est bon, on repart. Ils nous avaient prévenu la veille que les 3 derniers kilomètres, en fait, c'est une très grande ligne droite. On arrive dans le soleil, dans la chaleur. Il est déjà presque 10h du matin. On n'en voyait plus la fin. J'ai dû puiser, aller au bout et j'ai dû m'arrêter de temps en temps. Puis on voit l'arrivée, on entend les filles qui applaudissent. Je suis déjà moitié en pleurs, à la fois de fatigue et à la fois de se dire « Putain, c'est génial, quoi !» Et finalement, on est arrivé contente et fière, surtout. Là, c'est étonnant, la fatigue, hop, en quelques secondes, elle disparaît complètement. Là, ça y est, on se sent plus forte. L'après-midi, on est allé visiter la ferme de la soie et atelier de tissage. Sur le coup, pff. Donc ils nous ont montré comment on passe de papillon, quoi, de vert à papillon, et après comment on fait le fil de soie. On tisse le fil quand on défait les cocons, pour pas que le vert perce le cocon en sortant. Ils font bouillir les larves à la fin, et ça sert à tisser le fil de soie, quoi. Du coup, dans l'eau reste le vert. Comme la dame, elle sait qu'on était sportive, évidemment, parce qu'on fait le raid Amazon, elle nous a conseillé d'en goûter un. Et surtout, c'est un petit goût d'avocat noisette. Je suis toujours la première, donc j'ai goûté. Moi, je suis gourmande. Ma sœur le sait. J'ai dit aux filles, allez-y, foncez, c'est super bon. En fait, c'était pas du tout un avocat noisette, quoi. C'était gluant, C'était horrible. C'était horrible. Et en fait, c'est particulier, quoi. C'était mou, quoi. Ça gicle dans la bouche. C'était juste une sensation bizarre, quoi. C'est gluant dans la bouche. Franchement, le mot approprié était dégueulasse. C'était pas bon, mais c'était une expérience. C'est pas un bonbon, quoi. Sur le jour 1, je crois qu'on est rentré vers 5h30, un truc comme ça. Donc ça nous a laissé le temps d'aller faire un tour en ville
pour se faire masser. Ça, c'était notre rituel. Après l'épreuve, on allait se faire masser, on buvait un petit jus. Tous les soirs, en fait, Alexandre Deban fait le top 10 par équipe de 2 et de 3. Et après le briefing, on avait. C'était pas obligatoire, mais il y avait. Just Dance, c'est-à-dire qu'en écran géant, et on pouvait jouer à la Wii à Just Dance. Et donc, ça a été les premiers moments où on a pu commencer à bien se défouler. Tous les soirs, on était à l'heure pour l'apéro et le Just Dance. Deuxième jour, le canoë. Grande épreuve. Alors, très grande épreuve. À la base, on est super confiante. L'entraînement, ça s'était super bien passé. Je voyais pas de grandes difficultés pour nous. On avait tout un rôle spécifique. Moi, on m'a attribué le rôle du barreur. On partait du temple, il y avait un petit temple, en courant, avec notre pagaie à la main. On arrive à nos canoës, il y avait plusieurs vagues, nous on partait dans la première vague. La deuxième vague, une partie des équipes de deux, et la troisième vague, le reste des équipes de deux. On grimpe dans le canoë, et on est censé avancer. En fait, on a fait 10 mètres. Et là, problème technique, on n'arrive pas à naviguer. Là, on voit tout le monde partir, et nous, on tourne en rond. On part un coup à droite, un coup à gauche. On n'y arrive pas quoi. On fait des têtes à queue. Les canoës étaient rangés là, il fallait aller là-bas et on est resté là pendant très 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 longtemps. Donc là, ça commence un peu à nous mettre la pression quoi. On est dans la vague numéro 2. Donc Aurélie, toujours très calme, mais je vois que même Aurélie, ça commence à l'agacer et tout. Moi, je commence aussi à perdre un peu patience. On s'est dit de tout. Alors nous, on n'arrêtait pas d'engueuler Céline, parce que forcément, quand c'est la personne qui barre, il n'y a rien de plus facile que lui dire « ou tu diriges mal ». Mais pourquoi tu barres pas? Mais si je barre? Et vous pagayez pas? Mais si on pagaye? Donc ça va pas, quoi. Et là, la vague numéro 2 nous dépasse. Donc là, ça commence à monter. On lâche pas, parce qu'on lâchera jamais, mais ça va vraiment pas, donc... On va à droite, on va à gauche, et puis les kilomètres s'enchaînent. C'est pas calmé dans notre argumentaire, les unes envers les autres. Et là, on se fait rattraper par la dernière vague, donc là, c'est le drame. Et puis, petit à petit, on a commencé à réussir à aller un peu moins diagonale, mais à peu près droit. 200 mètres avant le ponton, on voit un bateau, quoi. C'est pas possible, il y a un canoë avec trois filles dedans. Et du coup, je sais pas, ça déclenche un truc. On est toutes d'accord, on dit ça y est les filles, il faut qu'on la double celle-là, c'est pas possible, on peut pas être les dernières. On a posé les cerveaux, on était trois à pagayer et à s'écouter, parce que du coup on essayait un peu de... On a compris que de toute façon en s'énervant, quand ça fonctionne pas. Et on s'écoutait et on s'est donné un rythme. Et là on a fait une remontée spectaculaire. Remontada quoi, on était comme des folles, on criait, j'étais là, allez les filles et tout, on se motivait, enfin un truc de fou. Et là, on a doublé. Une dizaine, une quinzaine de canoës, mais vraiment des folles. C'est-à-dire que, avec en plus la puissance et l'adrénaline de la vraie compétition et de la vraie épreuve sportive. Les équipes, quand même, ont peur finalement parce qu'elles nous disent: mais les galinettes, vous êtes revenus quoi. Elles y croyaient pas parce qu'elles nous ont vu au bout du monde, dans la souffrance, et elles nous voyaient arriver. Et là, elles se disent: il y a de la compétition finalement. Parce qu'on remonte. Presque les larmes aux yeux, je criais aux filles: c'est ça une équipe, c'est ça une équipe. Enfin, on était. On a fait des folles. Extraordinaire cohésion de groupe au top. On était vraiment toutes soudées à fond, on se motivait. Aurélie au top, parce que pour elle, c'était son épreuve, quoi. Elle est au milieu, elle fait tampon entre moi et ma sœur. Parce que bon, il faut dire, entre sœurs quand même, on se dit tout. On est arrivé, voilà, on s'est pris dans les bras, c'était... Ce qui s'est passé dans le canoë reste sur le canoë, parce qu'on s'est un peu insulté et tout, donc c'était vraiment pendant l'épreuve. Je suis restée vraiment sur cette énergie qu'on a réussi à donner et cet élan qu'on a réussi à se donner les unes des autres. Et puis garder ça et non pas débriefer le après. Moi, c'est quelque chose qui me fatigue en fait. Donc j'ai évité. L'après-midi, c'était le tir à l'arc. Et là, en fait, c'était pour gagner du temps sur le classement général. Trois flèches chacune à tirer. Et par rapport au résultat de la cible, en fait, ils gardaient les six meilleurs. J'ai pas commencé, évidemment, parce que moi, j'aime pas faire le cobaye. J'ai mis les trois flèches dans la première dans le cœur de cible. Je confonds toujours le jaune et le rouge, donc je sais plus trop. Mais enfin, une dans la cible principale et les deux autres autour. Sur les neuf flèches, je crois que c'est les trois miennes qu'on n'a pas gardées, je crois. Tu vois. Donc ouais, j'ai pas été top sur le tir à l'arc. On assure parce que finalement, on fait tout péter. Donc ouais, petite victoire. Grosse victoire même. On est contente, on a passé un bon moment parce qu'on n'a pas droit à l'erreur. On a trois flèches chacune. Heureusement qu'elles étaient là. Grâce à elles, on a gagné 30 minutes. Et puis là, on a après-midi presque libre, quoi. À 4 heures, on est rentré, on est de retour. On a pu profiter un peu de la piscine. Et puis, on repart avec les copines pour le massage, quoi. Donc oui, massage tous les jours, massage tous les jours, massage tous les jours. Ça, c'était
indispensable pour nous. C'était, ouais, c'était notre moment. Première épreuve de VTT, en fait, on part de l'hôtel. On a 3 km pour se mettre en route. C'était assez éclairé les deux premiers kilomètres. Le troisième kilomètre, on l'a fini dans le noir. Il y avait des gros nids de poules, on voyait rien. On roulait tout doucement, on savait que c'était pas très grave. Si ce n'est qu'on suivait un peu de près, donc à un moment donné, tu te dis si je tombe, attends, t'en as combien derrière? Mais bon, voilà, petite mise en jambe assez sympa. On est arrivé après au lieu de rendez-vous. Et puis là, c'est parti. C'est du plat. Mais c'est du plat avec des cailloux, c'est du plat qui vibre. Donc c'est une drôle de sensation quand même quand on tient le guidon. On a vachement des secousses dans le corps. C'était boueux, il y avait plein de flaques d'eau, plein de trous. Donc finalement, on s'est retrouvés un peu plein de gadoue, toutes trempées. Il y avait beaucoup de chemins, des singles où on passait une par une. Pour moi, il y a eu des moments un peu stressants où il fallait se retrouver dans des chemins très étroits. Et en fait, ben, toi, tu étais devant, les nanas, elles arrivaient, elles allaient plus vite que toi. Elles te passaient devant, quoi. C'était même pas une question de... Sans les laisser passer, elles arrivaient plus vite et de derrière, donc elles passaient. Tous les enfants sont au bord de la route. Du nourrisson, quoi, qui s'est à peine qui a quatre pattes, jusqu'à la mamie qui a 95 ans, qui est en train de faire son jardin, quoi. Tout le monde est là. Hello, hello, parce que forcément, ben, c'est international. Donc on est là, on pédale, mais on parle en même temps, parce qu'on répond à tous ces gens, quoi, qui sont là pour nous encourager, on tape des mains aux enfants, donc... Ça nous motivait, quoi. On se recrutait autour de France, quoi. Ils étaient tous là, hello, hello, tu tendais la main, tu leur tapais dans la main et tout. Paysage extraordinaire, des gens qui étaient formidables. Et une fois qu'on a eu fini un peu toutes ces difficultés, ben, la fin, c'était que des lignes droites. Donc là, on a réussi à accélérer et faire une arrivée où on savait que là, au moins sur le bout, on avait vraiment, vraiment tout donné. Donc c'était vraiment super sympa. L'après-midi, donc là, c'est la plantation de riz et c'est l'école. Moi, ça m'a vraiment plu, l'école. Les enfants, on leur a remis des fournitures scolaires. On a joué un peu avec eux dans la cour. J'ai fait la maîtresse d'école. Je suis allée au tableau. Je leur ai dit des mots en français, en anglais. Eux, ils le disaient en cambodgien. Donc nous, on leur apprenait le français. Puis eux, ils nous apprenaient le khmer. Donc on s'est tous assis à côté d'un enfant ou de deux, avec qui on a sympathisé. Donc moi, j'avais deux petites filles super. C'était un beau moment d'échange. Et un beau moment d'échange, et en même temps, on vit ça de manière en tant que maman, donc c'est toujours émouvant. Et avec ce décalage culturel quand même, puisque dans les classes, c'est des classes ouvertes. Il n'y a pas de construction en dur, donc les classes sont ouvertes. Et il y a des enfants de tout âge. Il y avait des maternelles qui sont mixées, comme nous, on pourrait appeler de la maternelle au CM2, quoi. Voilà, avec un enseignement unique. Après, il y a une... Il y a des paysans qui sont venus nous chercher en charrette tirée par des vaches. Là, on est allé voir la plantation, comment ça se passe pour planter le riz. Donc, c'est vraiment dur, quoi. C'est un travail... On est accroupi, hein, quasiment, avec la faux. Et après, ce qui était intéressant, c'est qu'une fois le ramassage dans les champs, on est resté dans leur ferme. Et en fait, une femme, parce que ça, c'est un travail de femme, nous a montré comment est-ce qu'elle préparait le riz. Et après, on est reparti avec un petit sachet de riz qu'elle nous a offert. Alors, le jour 4. Là, extraordinaire. La chasse au trésor, c'était aussi une épreuve bonus pour gagner du temps en moins sur le classement en général. On récupère notre roadbook et là on voit un petit peu, on jauge un petit peu l'importance des questions, de tout ce, un petit peu, tout ce à quoi il allait falloir répondre, des énigmes, des photos, des images à identifier. On est trois équipes mélangées, donc deux équipes de trois et une équipe de deux. Là on est allé au temple d'Angkor. Au début on a pris le temps de flâner, de tout bien regarder, on est arrivé, c'était le lever du soleil, c'était magnifique. Et on sait pas par où commencer, on est toutes les trois équipes, on se connaît pas trop. Mais bon, c'est pas grave, il y en a toujours une qui dirige, l'autre qui prend les questions. Et puis après, c'est la débrouille. On arrivait à remplir le questionnaire à temps parce qu'on avait 4 heures max, je crois. Donc il fallait quand même aller vite, il fallait pas passer 2 heures sur un temple. Vient l'heure du déjeuner. Petite dégustation d'insectes. Donc épreuve bonus qui nous faisait gagner du temps. Moi, on était cool, on a juste mangé les pâtes de la mygale. Moi, je mange une blatte, c'est croustillant. Il y en avait de partout quand elle mangeait et tout. Là, il faut avaler. Pour être courageuse, c'est juste une blatte, quoi. Et on la voyait avec ce truc qui voulait pas passer, qui était là, qu'elle avait envie, mais qui voulait pas vraiment passer. Alors, on boit.
Il y a des petits Roland, quoi, mais c'est pas grave, on continue à boire et puis ça passe. Tout à fait, il faut s'adapter. Gastronomie est une culture. On a enfin réussi, après 6 heures, je crois, de chasse au trésor. On a fini, on est toutes exténuées. Je crois qu'on est rentrées à l'hôtel à 3 heures. Enfin, dans ces eaux-là, du coup, on a eu l'après-midi un peu libre. Le soir, le débrief, tout se passe bien. Il y avait le facteur, enfin, on l'appelait le facteur, une personne du staff qui distribuait des messages de soutien. Comme des télégrammes. Et j'ai trouvé ça génial, c'est-à-dire que plutôt que de les recevoir en fait par Facebook, c'était génial. Donc tous les soirs, on attendait ça et on a eu des surprises extraordinaires. Nos copines Amazon, justement, qui nous ont fait la préparation au tir à l'arc, pareil, tous les jours, elles nous écrivaient un petit message. Enfin, tous les jours, on avait un courrier. Le jour 5, c'était encore du VTT. C'était du roulant, ils nous avaient prévenu. Donc que ça allait être 46 km, très roulant, faites attention, n'allez pas trop vite, vous allez traverser des villages. Alors moi, le pas trop vite, je me sens pas du tout concernée. On a bombardé. Franchement, je sais pas comment ça se fait. Là, toutes les trois, on était vraiment dans la même optique, la même façon de voir les choses. On a ressenti l'épreuve de la même manière. On a gazé, on n'a pas arrêté de pédaler. On arrive sur la fin de l'épreuve. Donc il reste 1 km, il faut déposer les vélos. Et là, il faut courir, quoi. Sur 1 km, ils nous ont fait ce coup-là, quoi. Mais t'as envie de courir, mais tes jambes, elles veulent pas courir. Les jambes en coton, impossible de courir. Et pour finir, on a, je sais plus exactement combien en mètres ça fait, mais des grosses marches à monter pour arriver tout en haut de la ligne d'arrivée. C'était ça le plus dur de l'épreuve, quoi. On n'arrivait pas à monter les marches. Mais là, t'as pas le droit d'abandonner. Et au contraire, il faut continuer. Ah ben là, c'est pas grave, on se tient la main. Hors de question de se faire doubler sur une montée de marche de 800 mètres alors qu'on a fait 46 km, quoi, c'était pas possible. On crie, on pleure, mais on est arrivé en haut, je crois qu'on était au bout de notre vie. On était en larmes, mais des larmes parce que, ben, je dirais vulgairement, putain, c'était trop bon, quoi. Ils nous accueillent avec une cérémonie, c'est génial, quoi. On retourne dans l'école, on voit tous ces gens-là, donc non, c'est énorme, quoi. C'est encore un moment magique. Et en fait, donc le soir, c'était la première fois qu'on était appelés dans le top 10. 9e équipe, équipe de 3, les Galinettes. Ah. on était heureuse, mais comme c'était pas possible, quoi. Donc c'est la première fois qu'on arrivait dans le top 10. Donc on arrive 9e de l'épreuve. On aura fait le début de semaine au cool et on aura fini sur les chapeaux de roue, quoi. C'est vraiment le raid Amazon, quoi. On sait qu'on va avoir une épreuve difficile. C'était un trail de 12 km, je crois. La première course à pied nous a laissé un peu des douleurs aux genoux. Donc c'est vrai que j'appréhendais vachement la dernière épreuve de trail, quoi. Je me suis dit, est-ce que la douleur va revenir quand on va partir? On avait peur de la chaleur, on n'avait pas du tout d'ombre, et rien d'extraordinaire à d'annoncer. Premier mètre, bim, j'ai senti, en fait, comme si on me plantait un couteau dans le genou. On court, alors là c'est roulant, donc on prend un rythme, pas forcément trop de plaisir. On se croirait dans un désert, c'est de la terre rouge. Il n'y a pas de végétation, il n'y a pas de Cambodgien, il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Il y avait une équipe de 3 derrière nous. Donc on s'allonnait, elle passait devant, passait devant, passait devant, passait devant. Et là on les entend, elles nous disent « Allez les Galinettes, on va vous doubler, on va vous doubler !» Et alors au dernier moment, elles nous ont doublé, mais genre à 10 mètres de la ligne d'arrivée, elles nous sont passées devant. Et on passe toutes les trois, bah, toutes les trois la ligne d'arrivée ensemble. Donc ouais, c'était super émouvant. Les enfants du village viennent nous donner notre médaille. Il y a des moines qui sont venus nous bénir. Ouais, immense émotion, mais là c'est... Là, c'est l'explosion, c'est-à-dire que... Ça prend au cœur et c'est dur d'être, de rester maître de ses émotions à ce moment-là. On avait les larmes aux yeux, on s'est serré fort. Là, d'un coup, dans ta tête, tu te dis, putain, ça y est, j'ai fait le raid Amazon. Donc, ouais, beaucoup de fierté. On avait notre médaille Amazon du raid, c'était la concrétisation. C'est fini, on y est arrivé, je pense à ma famille. Je me dis que d'un coup, on va quitter tout ce monde merveilleux, toutes ces coéquipières, toutes ces copines. On est rentrés et là, il n'y avait rien de prévu l'après-midi parce que le soir, on avait notre soirée qui nous attendait. I could stay like this, forever following you. On s'est préparé, on s'est coiffé, on se remaquille, on met les jolies chaussures. Ils avaient préparé un buffet au bord de la piscine. Et là, donc...
Remise des récompenses sportives. Il y a un petit peu le classement officiel et après les trois premières de chacune des catégories sont appelées sur le podium. On finit 28e sur 75. Donc on est super contente de nous. Là vient le moment en fait où ils remettent des dons à des associations aussi. Il y avait deux tirages au sort. On gagne jamais. C'est comme ça quoi. C'est notre karma. Là ils tirent le numéro équipe 108 les galinettes. On se regarde toutes les trois. On ne réagit pas en fait, on comprend pas. Les filles, vous avez entendu, c'est l'équipe 108. Alors, une fraction de seconde, quand il a annoncé le nom de l'équipe, ça a été la récompense d'une année de travail. Donc là, on va au podium et là, c'était la concrétisation. Et on est émus, vraiment. Et en fait, Alexandre Deban nous demande pourquoi tant d'émotions. Et que ce raid, bien sûr, on l'a fait pour nous, bien sûr, on l'a fait pour faire un raid sportif, mais sans à aucun moment donné perdre de vue la cause qui nous tenait à cœur. Et là, on gagne un chèque pour le handisport. On pouvait pas espérer mieux comme victoire. Énorme. Donc là, on est à fond. Et puis c'est parti pour la fête. Dernière soirée avec nos copines. On a ouvert le bal du ponche, on a ouvert le bal de la piste de danse, on a ouvert le bal de se jeter à la piscine, évidemment, parce qu'il fallait quand même mettre un peu d'ambiance. Mais ouais, non, c'était une soirée de fou. Le lendemain, tout le monde prend le départ. Donc ça a été dur parce qu'on s'est levé tôt. 7h30, 8h pour prendre notre avion. On a voulu dire au revoir à nos copines dans les chambres. Je pense que c'était dur. Les accolades, les échanges. Et puis après, on est parti à l'aéroport. Puis on part sur une île qui s'appelle Koh Rong. Objectif, rien, rien, rien pendant une semaine. Rien. Et alors celui-là, on l'a super atteint d'objectif. Notre seule préoccupation, c'est de savoir qu'est-ce qu'on allait manger au petit déjeuner. De quel côté on allait bronzer, où c'est qu'on allait se faire masser et qu'est-ce qu'on allait manger le soir. On a fait une excursion en bateau, assez originale d'ailleurs. On s'installe donc sur le bateau, tac, on part pour aller se promener. Déjà on est accueillis par un jus de fruits. Enfin, c'était un ponche, 11h du matin, un ponche. Ensuite donc on va, ils nous lâchent en fait au bord d'une plage, enfin assez loin d'une plage. Et là, tuba masque et j'adore. Les midi on mange. Ils nous proposent un café, on dit oui. Minnie et Céline buvaient beaucoup de coffee shake, donc c'est ça en fait, c'est du café avec un peu de lait et glacé. Donc je dis bah tiens, je vais en prendre un cette fois-ci. Le café plein de rhum. Donc deuxième périple, on continue, on reprend le bateau et là on s'arrête en fait pour voir le coucher de soleil sur l'île. On attendait la tombée de la nuit pour aller voir le plancton en fait. Donc ouais, c'était très 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 beau, c'était très beau. Ça fait un peu peur quand même parce que du coup tu es sur le bateau, ils éteignent toutes les lumières, ils te disent tu sautes à l'eau. T'es dans le noir, tu vois rien, donc tu te retrouves dans l'eau, au milieu de l'océan, tu sais. Et on est remonté sur le bateau, il reponche, enfin bon, voilà. On a appris qu'il faut jamais lâcher dans la vie, quoi. Il faut toujours se battre, il faut toujours avoir la tête haute et affronter les choses. On a rencontré les locaux, les gens du Cambodge, c'était magique. Faire une épreuve comme ça en équipe, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'on le fait en équipe. C'est qu'il y a des choses qui ont été accomplies qu'en individuel, on l'aurait pas fait. On est allé jusqu'au bout, on s'est donné à 100%. Là, c'est vraiment, je pense que c'est le raid Amazon, s'il est à l'étranger, s'il est dans un pays différent et solidaire, c'est pas pour rien, quoi. C'est pour te remettre un peu en question, quoi. Te dire, bon, cocotte, là, il faut arrêter de se plaindre, quoi. Il faut... Tu vois ce qui se passe ailleurs, quoi. Donc, sois heureuse. Vis pleinement ta vie et profite-t'en. On repart toutes les trois. On restera amis pour toujours. Depuis que je suis née, je crois pas que ça m'est arrivé de vivre un truc pareil. Ma sœur, je l'avais avec toute ma vie. Mais même avec Aurélie, tu vois, c'est... Ouais. Ouais, c'est fou. On est des Amazones gravées à tout jamais dans notre chair. On s'est fait tatouer le mot Amazon en Khmer. Ouais, voilà, soudé pour toujours.